Hey! Salut à toi, ami de l'internet! J'espère que tu vas bien! Eh bien, écoutez, bienvenue dans ce flux Eclipsia du midi! Aujourd'hui, nous allons produire une vidéo, on va lancer une petite solo queue parce que. Ouais. Non, pas du tout! Pas du tout, c'était une blague! Calmez-vous! Calmez-vous, on va pas faire de lol! Non, c'est une blague, c'est marrant! Enfin, moi, j'ai rigolé, personnellement! Après, bon, ça dépend de l'humour! Ça dépend de l'humour qu'on a! Par contre, là, ce jeu ne se montre pas, donc c'est chiant! Voilà, j'ai lancé un jeu à côté, bon il veut pas se lancer. Bon on va le relancer, mais j'ai voulu faire une blague et en fait c'est pas marrant parce que le jeu s'est pas lancé. Bon on peut pas toujours être marrant, c'est pas un problème. On part sur un petit... Ah d'accord, ok, on fait comme ça. Ah tu veux te la jouer comme ça gamin? Pas de problème, écoute on va faire ça à la main, y a pas de problème parce que moi tu vois j'ai pas de problème avec ça. Y a pas de problème, on va se faire un petit peu de Magicide pour commencer la journée, j'espère. Bon j'espère que ça va vous plaire, c'est cool, on a déjà fini le jeu une fois. On a fini le jeu une fois, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée parce que bon, j'ai pas l'habitude voilà, de faire des lives le midi. Et le midi, moi je me lève normalement et du coup là ça part un petit peu en couille dans mes cordes vocales. Mais... excusez-moi. Là on va jouer à Magicide, on va continuer. On va se faire, donc là on a des personnages un peu OP, on avait terminé déjà le jeu une fois comme je vous l'ai dit, le dernier boss avait été tué, c'était super, on s'était marré, moi je me suis levé, j'avais enlevé mon t-shirt, j'avais cassé mon clavier, j'avais tout fait, enfin de toute façon la VOD est sur ma chaîne YouTube, hashtag pas du tout, et voilà, donc du coup on va pick le personnage OP qu'on a eu, hein, que bon vous commencez à connaître un petit peu le jeu vidéo, donc voilà on gagne plus 5 HP, plus 15 ATK, donc c'est cool. On va... Ah attendez, parce que là on peut... Voilà, ça c'est cool. Ça c'est le moment cool de ta vie quand tu crées ton personnage. Il faut... Voilà, tu peux changer la variante et la variante ça te fait que t'as un troisième œil sur les dents. Direct, on t'a chié sur le crâne, c'est formidable. Par exemple. Et là on peut choisir un chapeau. Et c'est là que ça devient subtil. C'est qu'on va essayer cette fois-ci non pas de gagner le jeu vidéo en tant que mage, mais de gagner le jeu vidéo en tant que guerrier. Et donc d'aller au corps à corps péter ce boss. On va essayer de faire ça. On va voir comment ça va se passer. On va prendre le petit Berserker Scarf. Comme ça, sans trop de problèmes. On va prendre le petit compagnon. On choisit aussi, hein. Oh bah parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et on part tout de suite in-game. Pas de temps à perdre. Alors vous commencez à connaître un petit peu, donc je vais arrêter de tout vous raconter. Probablement que cette VOD passe pas, enfin sera sur ma chaîne YouTube. Et du coup, bah on va me dire en mode, ouais mais les gens en live ils connaissent et moi je connais pas. Et bah venez sur les lives, voilà. Non mais je probablement que j'expliquerai, mais dans une autre VOD en tout cas, parce que là je l'ai vraiment beaucoup présenté comme jeu, on commence à le connaître. Et voilà, hein, ça prend du temps à expliquer. Et le problème c'est que j'ai pas envie de faire chier les gens à toujours expliquer les mêmes trucs, c'est relou. Donc voilà, on va partir comme ça pour l'instant. On verra s'il y a besoin, si besoin est de présenter le jeu vidéo de l'internet, bah je ferai, parce que voilà, bien évident. Donc c'est parti. C'est parti pour récupérer des petits minerais, on va avancer. Donc j'ai dit qu'on se faisait un petit run en tant que guerrier, donc c'est parti. Attention! Attention à toi! Voilà, on met des petits 35, hein. C'est pété comme personnage. Oui, c'est pété, c'est n'importe quoi. C'est très cool. Alors, bah en fait, moi j'ai passé une excellente matinée, et je me suis levé un peu en retard. J'avoue, je me suis levé un peu en retard. Bah en fait, je suis con, enfin c'est parce que je suis con, voilà, il y a aussi le petit facteur connerie qui arrive dans la manœuvre. Et ça c'est dommage, parce que c'est chiant, en tant que streamer, être con, c'est pas pratique. Et le problème, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, oh tranquille, je commence à midi et tout, tu vois, du coup, moi j'ai mis mon réveil genre à 10h30. Seulement, ce que j'avais pas calculé, parce que voilà, le facteur connerie arrive dans le bordel. C'est que, eh bien écoutez, dans mon petit truc que je me faisais dans ma tête, ben ça passait, seulement, je suis en Angleterre. Et en Angleterre, eh bien les horaires sont cassés. Ici, ils ont cassé l'horloge. Ils ont fait n'importe quoi avec, c'est un stagiaire qui s'en occupe. C'est un stagiaire là où il fait n'importe quoi. Et du coup, eh bien il y a une heure de moins ici qu'il faut calculer. Donc du coup, ben, je me suis levé à 10h genre 30. Mais en fait, eh bien il était déjà donc 11h30 pour vous. Du coup, le temps que je me lève et que je me dise, mais attends... Mais je suis débile. Et bah en fait c'était trop tard. C'était trop tard. J'étais en retard. Donc du coup, bah je me suis levé. J'ai mis mes plus beaux souliers. J'ai mis mon meilleur t-shirt et mon fond vert est mal. Tu vas voir ta gueule. Attends, bouge pas. Voilà, c'est mieux. Ah là on est bien là. Là on est bien. Non voilà, c'est bon. J'ai réglé le problème du fond vert. Merci pour le petit message dans le chat. C'est super. J'adore, je vous adore. Aïe. J'ai pris un dégât. Ça sert à rien ce que j'ai fait là. N'importe quoi. Hop, on prend la petite pierre parce que ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Attendez, parce que là je suis con aussi. J'avais 4 de pierre, j'ai pas fait ma pioche en pierre, ça veut dire que je viens de rater un petit peu de fer. Donc voilà, ça le facteur connerie, ça nous suit. Ça c'est genre un truc, ça n'arrête pas. C'est chiant. Non mais c'est chiant. Voilà, on prend un deuxième dégât bien évidemment parce que c'est relou, sinon c'est pas marrant si je clique le jeu en... Bah voilà, si je couève le jeu, parce que voilà, couève est devenu maintenant une expression. Si je couève le jeu, c'est chiant.
parce que sinon c'est trop simple. Donc voilà. Allez go, on y va, on continue le jeu vidéo. Alors là, vous voyez, on arrive dans la petite safe zone, alors on casse la tête des poules parce que les poules ça casse les couilles. Donc voilà, ça dégage. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on a fait spawn le boss. Oh merde, j'étais pas prêt, je voulais pas ça. Oh non, 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 attends, je suis pas prêt. Attends, tu sautes pas. Hein. Tu sautes pas. Hein. Tu permets, je fais des trucs comme ça. Je fais ça, ça sert à rien. C'était très bien en tout cas ce que j'ai voulu faire, mais j'ai pas compris le projet pour le. Genre j'étais là, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Ok, bon, on va lui péter la gueule vite fait, hein, parce que voilà, nous on est Denzel Washington, hein, on s'en bat les couilles. On joue dans des films, donc c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Allez, saute-moi dessus. Saute-moi dessus. Et boum. Et boum. On met des petits coups. On met des petits à coups comme ça, on lui pète les genoux. Tu t'es casse-couille toi. T'es super casse-couille. Hop là. Ah la super poule. Ah. Ah j'ai pris 2 de dégâts. Ah c'est bon, on l'a tué. Nice. On prend un peu d'XP. On passe niveau 5 grâce à ça. On va prendre le premier sort. Le premier sort de guerrier. Et c'est un bon sort. C'est un bon sort. Ça va. Alors là on va. On a combien? On a 124 gold. Donc ça pue la merde. Hein. Genre vraiment. Genre c'est pas dingue. Enfin il y en aurait. On a vu mieux quoi dans le domaine du jeu vidéo. On va vendre la petite pioche en bois, ça ne nous sert plus à rien. Ça ne sert à rien. Ça c'est pas. C'est combien? C'est pas 1 sur 50. On va se faire une petite hache en bone. Parce que c'est plus useful. Enfin c'est plus fort qu'une pioche en bois. Une hache en bois. Putain j'ai galéré à parler. Mais vous avez compris l'idée, je pense. Vous n'êtes pas débile. Donc je vais pas vous expliquer tout hein, parce que voilà, c'est chiant. Alors on va manger un peu peut-être hein. On va manger une petite cuisse de poulet qu'on vient de se faire. On se fait un petit KFC comme ça tranquille dans notre coin. Et là on va partir parce que maintenant bah, on a terminé un petit peu nos petites emplettes. On a rien à acheter de plus, on est bien. Donc on continue, on avance. Allez go, on prend la petite épée dans les mains. Et là on va aller, oh là là, dis donc. Hey, je me suis chaussé de mes meilleurs souliers ce matin comme je vous l'ai dit. Donc là ça rigole zéro, j'arrive sur eux, je leur pète la gueule. Hop, on prend ça, c'est très très bien ça. Très très bon, voilà. Donc là c'est le stream de la fatigance, hein. vous m'excuserez. Écoutez, on a tous nos problèmes dans notre vie. Moi voilà, moi je me lève et je fais des trucs fatigués. Voilà. Mais bon, c'est marrant parce qu'en fait je dis n'importe quoi. Quand je suis fatigué, je dis vraiment n'importe quoi. Donc c'est différent, c'est marrant. Donc là voilà, là on pète la gueule à tout le monde. Les espèces de petits incas, là, les petits autochtones avec leur masque de bois. On leur explose la gueule. On leur explose la gueule, bien évidemment. Aucun respect. J'attends qu'il me retape et là on y va. Et là voilà, on est sur un énorme timing parce qu'on peut lui péter la gueule. Vous avez vu un petit peu cette maîtrise vidéoludique de la chose. Alors bien, je viens de remarquer un truc, c'est que la hache en bone. Alors en fait, quand on a une hache en bois et qu'on tape un arbre, on récupère un bois, un stick à chaque coup qu'on met. Là, bien écoutez, j'ai tapé l'arbre et j'ai récupéré eh bien 2 de bois et 2 sticks. De la même manière qu'une hache en pierre donc. Lorsque j'ai tapé l'arbre. Donc c'est une information qui intéresse ceux que ce jeu vidéo intéresse. Donc si ça ne vous intéresse pas, bah désolé. Mais en même temps c'est mon stream, je fais ce que je veux. Donc voilà, si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Attention ici hein, parce qu'on se fait taper très rapidement par les gens. Voilà, on esquive. Aïe, on prend un dégât, sinon c'est chiant. C'est pas marrant sinon. Donc faut faire un petit peu n'importe quoi. Parce que bon voilà, c'est pour faire des vues. Pour buzzer, voilà, c'est do it for the vine. C'est pareil, même délire. Même guerre les amis. Exactement la même guerre. Là on a énormément de dégâts de base. Mais vraiment. Oh oh là là, dis donc, il s'est énervé lui. Oh, il était sous cocaïne. Et moi la cocaïne ça me connaît. Donc, je sais reconnaître quelqu'un. Alors, c'est pas vrai hein. Enfin, genre avant que ce soit mal interprété, je le dis que c'est pas vrai. Quand même pas. Voilà. Alors on y va. On va farmer un petit peu de bois encore parce que c'est très important. Ego, ego, et boum et boum. Voilà, on récupère ça. Et c'est parti. Alors là, qu'est-ce qu'on va choisir comme niveau? C'est quand même une question que je me pose parce que c'est une question. Vous en battez les couilles? Ok, d'accord, d'accord. Je vais dans le bleu. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Alors, on va péter. Oh, je vais lui péter la gueule. Lui, les cheveux verts. J'aime pas les gens qui ont les cheveux verts. Ça se casse, ça dégage, ça. Ça dégage, ça aussi. Non, les cheveux bruns comme ça. Les cheveux châtains. Les cheveux blonds vénitiens. On arrête ça, hein, c'est terminé. Alors, est-ce qu'on peut acheter des choses? Ah bah je pourrais acheter. Regardez, hey, c'est pas beau ça. On peut. Oh là là, c'est pas très bien comme jeu vidéo. C'est bien fait quand même comme jeu vidéo. Attendez, on a 6 de fer. Mais alors, avec 6 de fer, je pourrais me faire une épée. Alors que si j'achète la pioche en fer, je pourrais avoir une épée et une pioche. Et ça c'est cool. Et la pioche, on en a besoin. Donc voilà, je vous demande pas votre avis, je le fais. Parce que c'est... Enfin, c'était pas... Je vous demandais pas votre avis. Je vous expliquais juste, c'est tout. C'est compliqué avec le délai, tu vas demander l'avis des gens. Yo, vous en pensez quoi? Ouais non, c'est déjà chiant, tu vois. Enfin, sur une échelle de 1 à 10,
Enfin, sur l'échelle de Siphano, genre on est à 6 à peu près. 6 ou 7 à peu près, tu vois. Genre, enfin, on est déjà bien parti pour s'ennuyer. Alors attendez, on est. on va vendre tout ça. Et maintenant, bah, on va faire une épée. Une épée que j'ai déjà en or. Pourquoi je suis con? Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Dans la démarche, on va faire autre chose. On va faire autre chose. C'est dommage, j'ai l'épée en or et moi je suis là en mode yo, l'épée en fer, c'est trop bien. Yo, trop bien l'épée en fer. Alors, on va se faire, une pièce du coup. C'est de la merde. Go, on part là-dessus. On se met un petit casque sur la tête. Je suis con, putain, c'est pas possible. Allez, go, on va prendre la petite porte, voilà. La petite porte. Et on y va, un petit coffre déjà, ça c'est bien ça. Très bonne nouvelle. Excellent loot de merde. Merci le jeu vidéo. Tu me régales. Oh, je mets des 88. Ah non, j'ai. Ah, je me suis fait rusher. Y'a des lags. Ah, y'a des lags. Non, c'est chiant les lags. Est-ce que vous pouvez dire à vos potes d'arrêter de me dédos? C'est chiant. Attendez, on va essayer. Hop, hop. Voilà, on met des dashs pour aller plus vite. On met des dashs. Y'a des trucs qui vont me tomber sur la tête. Oh, ouais, ouais, mais t'es qui toi? Un infiltré. Un infiltré, agent Briggles. Repose-moi tout de suite ce pistolet. Ah, ah, je me fais rusher par les petits blocs bleus là. Oh, bah. Qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Je fais les blagues marrantes quand même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je fasse ça? Faut que j'arrête, putain. Je suis infâme, tu sais, genre j'arrête pas. Oh, c'est marrant, moi. Enfin, genre, du coup, c'est bonne ambiance. N'hésitez pas, hein, prenez votre petit thé, votre petite bouteille de Jack. Crache-moi dessus, je te jette une bouteille. Ouais, là, il y a de l'or, on peut récupérer ça. On peut récupérer ça. Oh là là, attention la petite. Alors, les petites filles, elles ont changé. Parce que bon, pour ceux qui ont joué à Magicite et qu'ils s'en battent pas les couilles du jeu, bah en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu un changement avant, les petites fées comme ça, bah, elles t'envoyaient des petites boules bleues pour te taper. Et en fait bah maintenant ça le fait plus. Voilà, c'était l'info sûre du jour, y a pas de soucis. N'hésitez pas à demander hein, s'il y a des trucs comme ça que vous vous demandez, genre est-ce que pourquoi la Terre est ronde, tout ça je sais, je connais les réponses. Alors on a eu un sort maintenant qui nous permet, donc le deuxième sort, donc premier sort vous l'avez pas vu pour ceux qui ne connaissent pas, on appuie sur W et boum. Et ça, ça va jusqu'au prochain mur, ça explose tout le monde sur le rang. Sauf si on ne tue pas le mob. Si on n'a pas les dégâts pour le tuer, la hache va s'arrêter. Et mon deuxième sort, lorsque j'appuie dessus, donc regardez, je cours à cette vitesse et j'appuie dessus et pouf, on court beaucoup plus vite, voilà, pendant 10 secondes. Alors faut savoir, alors je le répète, parce que voilà, faut le dire, on peut jouer jusqu'à 4 à ce jeu vidéo. Alors ça veut dire que si j'ai ce sort et que je suis avec plein de gens, qu'est-ce que je voulais dire? Bon bah c'est pas grave. Super en tout cas de ramasser. Ah si, si on est avec plein de gens, en fait ce qui se passe c'est que on peut donc activer ce sort et tous nos amis l'ont, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4. Ça je l'ai déjà dit. Donc voilà, je suis un bon orateur. Très très bon orateur. Je me perds pas du tout dans ce que je dis, c'est cool. C'est ça qui est cool en fait. Non mais. Ah c'est chiant ça. Je me trompe de truc. Voilà, allez go. Non, par contre, c'est très marrant à jouer avec des potes. Voilà, je crève la dalle. Là, j'ai envie de me faire un petit KFC, vous voyez. Merde. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live, parce que je vois des wesh dans le chat. Alors, premièrement, calmez-vous, mais bonjour. Parce que voilà, c'est quand même la politesse avant tout. J'ai eu le pire item ever. Une putain de blade en bone. Ça pue la merde. C'est quoi ça? Ça pue la merde. Axe handle. Une poignée de hache. Il se fout de ma gueule le jeu. Il me taunt. Or ça c'est de la merde, hein. ça dégage, enfin je sais pas l'utiliser. C'est peut-être pas de la merde, il y a un mec qui connaît trop bien le jeu, il va me faire mais il fait n'importe quoi. C'est quoi ça? Je vais lui chier dessus à lui. Mais bon, bon, voilà. Allez go, on ramasse ça. Il y a un petit peu de viande là. Hop. Voilà, on ramasse la petite viande. Allez tape-moi. Oh il vient dans la grosse gueule. Hop là on lui pète la gueule. Et on y va. Alors on va partir dans le niveau rouge maintenant, très intéressant, extrêmement intéressant ce qui se passe. Vous avez vu ce qu'on produit, c'est pas dingue. C'est dingue ce qu'on fait quand même. Je savais pas que, enfin quand j'ai lancé les lives tout à l'heure, je me suis pas dit genre ouais, ça va être trop bien, tu vois. J'étais en mode oh, on va faire un live, ça va être sympa et tout. Mais là c'est vraiment ce qu'on produit, je suis fier de nous, tu vois. On passe dans des portes et tout, c'est marrant. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va combiner tout ça. Et on met les petites potions au bout. Là on va vendre les champignons parce qu'on s'en bat les couilles. Les spiderweb, on s'en bat les couilles, ça dégage. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on peut faire hop hop. On peut faire une petite pièce en fer encore. Ça c'est bien ça. Ça c'est une très très bonne nouvelle parce que du coup on peut progresser dans le stuff. Et on met le petit or, ça c'est bien ça.
très très bien négocié comme petit stuff. Et voilà. Maintenant, nous avons quelque chose de plus. Ça c'est bien, on vend ça. Ça c'est, ça pue la merde. Ça pue la merde. J'en ai pas besoin. Le cuir et l'espèce de truc jaune que j'ai vendu. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore une fois et qui ne s'en battent. Voilà. Bon, on va taper des boules du coup parce qu'en fait là j'assume pas ce que j'ai fait. Là j'ai parlé comme un mongol. C'est genre, je suis dyslexique. Et du coup c'était pas fou. Ah, il a spawn. Mais c'est une blague. Mais t'es sérieux? C'est pas, en fait c'est pas obligatoire que tu spawns. Pas à chaque fois. Il a spawn sur ma tête. J'ai pris 4 données. Ah, voilà, c'est bon. J'ai eu très très peur. Hein. Là, j'ai paniqué. Je vous le dis comme je le pense. Je m'y attendais pas. 337 gold. Donc, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. On a rien à acheter, je crois. Hein. Non, ça pue la merde là, tout ça. Donc, go, on y va. On avance dans les niveaux. Et pour l'instant, bah en fait, c'est pas trop cool. En fait, ce qui était pété dans le run que j'avais avec le mage, donc je vous explique, hein, bien évidemment. Aïe! Mais il m'a mis 4 de dégâts, ce grosse merde! Aïe! 2 de dégâts! Ah! Ah, c'est dur! Ah, c'est très très dur! Et pour une fois, je parle pas de ma bite. C'est très nul comme blague, ça, par contre, Kenny. Je t'ai connu dans de meilleures formes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, ça. Hop là, on lui pète la gueule. Et on récupère les petits golds. Ça, c'est cool, ça. Eh, viens là, toi. Eh, viens là, ma petite gueule. Aïe! Oh, bah. Oui, bah, 4 de vie. J'ai commencé à 13, mais ça c'était avant. J'ai lancé un petit run et c'est parti en boucle. Il s'est passé un truc entre les deux, je sais pas, dans la manœuvre. Là, il y a eu une petite couille dans le potager quand même. Là, on n'est pas à l'abri de surprise avec moi dans les lives. C'est clair qu'on n'est pas. J'étais pas prêt. Alors, go, on va farmer un petit peu de bois parce qu'on en a pas beaucoup, je trouve. Hein. On galère un peu. On va farmer ça vite fait. On se calme, hein. Wow, tu vas te détendre toi tout de suite. Et voilà. Alors vous avez toujours pas vu, je crois, pour la... Ah, il m'a mis 6. Il m'a mis 6 de dégâts. C'est n'importe quoi, ça. C'est dingue ce qui se passe. Hop là, attendez, vous avez vu ça? J'ai perdu la vie, mais Ah ouais, non mais je vais jamais finir le jeu, en fait, hein. Enfin, pas avec ce truc, parce que si je me prends des dégâts comme ça, c'est n'importe quoi. Ah bah si, regardez, on fait ça. Allez, blablabla, y'a plus rien, salut. Ça, c'est j'avais oublié que j'avais ce sort. Ah oui, mais j'utilise pas mes sorts, moi aussi, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu as des sorts et que tu les utilises pas? C'est chiant. C'est quand même chiant. Et toi, tu meurs, voilà, je vais plus vite que le projectile, qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, maintenant, on est vraiment un gros galérien, donc on va attendre. On va attendre ensemble. J'espère que vous avez le temps. Parce que comme ça, on va pouvoir lancer la hache. Elle arrive, et là, boum! Et là, on termine le jeu vidéo, regardez. Eh, on touche plus rien. Alors là, on a quand même des mécaniques poussées dans le jeu qui nous permettent de faire des plays. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des trucs sympas qui se passent en tout cas. On va récupérer l'or. Et c'est parti. Alors, on récupère tout ça. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a 4 d'or, donc on peut se faire une pioche en or. Donc c'est bon, on a de quoi ramasser du diamant maintenant. Donc tout le diamant que j'ai croisé, eh bien je ne vais plus le gâcher. Et là on envoie la petite hache encore, hein. C'est beaucoup plus facile quand ça part comme ça, hein. Regardez ça, 3 diamants encore que je peux pas récupérer. Si là j'ai pas envie de me... Bon, je vais manger mon casque, hein. Ça va, parce qu'en fait là le diamant que je vais prendre, je vais le gâcher. Parce que si je n'ai pas la bonne pioche, eh bien voilà, je récupère que de la stone et pas de diamant, donc je suis mad. Et la stone, eh bien ça pue la merde, mais vraiment, ça pue la merde. Regardez, hop, un petit peu d'or encore, c'est dingue ça par contre. Et go. Alors nous sommes à 9 sur 18, on a 3 d'herbe, hein, donc c'est rien aussi pour récupérer des HP, c'est pas fou. Alors par contre peut-être qu'on va pouvoir... Alors maintenant il y a un nouveau truc, voilà, parce que maintenant je sais les utiliser. Lorsque j'ai recommencé à jouer au jeu, je savais pas les utiliser. Maintenant je sais les utiliser, ce sont les bénédictions des safe zones. En fait il y a les petites bénédictions, ce sont des trucs qu'on achète. Il est super bizarre lui quand il tombe. Il est super bizarre lui, il tombe pas genre de façon bilatérale comme tout le monde. Lui il tombe genre en décalé avec les autres. Un homme qui est en décalé. Alors ce niveau là, faut pas le faire. Quand t'es un guerrier, si tu fais ça, t'as fini, t'es mort, ça sert à rien. Donc hop, on va là dedans. On va là dedans pour envoyer un maximum de pâté. Donc c'est parti là. Oh mais dis donc. Oh mais dis donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? J'ai fait spawn 2 boss. Vous avez vu, c'est n'importe quoi. Il est cassé le jeu. Meurs. Meurs, il y a de l'XP à récupérer. Pardon, il y a de l'XP. Voilà, merci. Vous avez vu ce qui s'est passé? Un troisième boss peut-être? Ah non. Dommage. Et le troisième sort de guerrier récupéré. Et c'est un très bon sort. Merci à tous. J'ai pas le meilleur des builds, mais il est pas mal. Il est pas mal, mais j'ai pas le meilleur. Donc c'est dommage. Celui-là, en gros, le dernier sort, c'est. Ce n'est pas. Je ne vais pas faire spawn piquet. Calmez-vous. C'est. Je prends 4 de dégâts de moins
lorsque je l'active pendant 10 secondes. Donc ça veut dire que si le truc me fait 6 de dégâts, je prendrai que 2 de dégâts. Alors, on va vendre tout ça. Voilà, on va se faire un petit joint parce qu'on a de l'herbe dans les poches. Donc on se fait un petit split, un petit deux feuilles au calme. Et voilà, on va vendre le reste. Qu'est-ce qu'il nous reste à vendre? Ça on vend, c'est de la merde. On va manger 5 petits steaks, enfin 5 petits trucs. On va lui chier sur la gueule au vendeur, tiens. Si on lui chie par vous, il y en a plein la gueule, c'est génial. On va... Ça, ça me tue rien. C'est fou parce que les boss poulets, ce sont les sales poulets qui lootent des poulets complets, des poulets complets, déjà cuits. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas. Dans ce jeu, il se passe des trucs. Encore, tu vois, dans Minecraft, c'est normal. T'as une épée avec Fire Aspect. Boum, tu tapes, la vache elle est en train de brûler. Lorsque tu la tues et que le loot tombe, la viande est déjà cuite. Puisque tu as un fire aspect, tu l'as brûlé. Là non, le poulet est juste plus gros que les autres. Alors ça veut dire que les gros, ils ont plus chaud que les autres. Ça, je suis désolé, mais c'est pas très sympa pour les gens. Bon, moi je peux pas juger, mais voilà. Pas très sympa. Alors, on va vendre tout ça. C'est chiant parce que des fois je crois que je suis marrant et tout, mais en fait non, tu vois, je me rends compte que c'était pas très marrant donc on arrête les blagues, hein, c'est fini. J'ai 800 gold, donc presque 900, et on peut acheter une pioche en or au lieu de la crafter. Donc ça c'est cool. Hop, on va vendre. On va rien vendre. Pourquoi je veux vendre? Ah si, je veux vendre. On voulait vendre. Allez go, on va crafter tout ça. C'est bon ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a 3, on a... Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, on se cale bien dans notre chaise, parce que là, il faut calculer, il faut faire un truc. YOLO. C'est dingue. C'est de la merde ce que j'ai fait. Non, ça pue la merde. J'aurais dû faire un bouclier, on peut pas mettre un casque en bouclier. Oh, mais moi, je suis sûr que j'aurais pris le casque en bouclier, je m'en battais les couilles. Hein. Moi, je l'aurais fait. Alors, je suis désolé, si toi, t'es pas capable de le faire, on va pas être potes. Hein. Non, c'est chiant. C'est chiant, j'aime pas ça. Bon. J'ai un petit peu de pierre, ça sert à rien. Allez, on va rentrer dans ce niveau et on enchaîne. On enchaîne, bien évidemment, parce qu'on perd pas de temps. Là, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est faire un bouclier. Wow. Les mobs sont énervés dans ce niveau. Ah oui, c'est chiant, ça. Aïe, 2 de dégâts. Allez, boum. Ah mais non, non, c'est le niveau. C'est le niveau, je suis nul. Non, je suis nul à ce niveau, faut pas me faire jouer à ce jeu quand il y a ce niveau. Non, c'est super chiant parce qu'en fait les mobs là, ils vont trop vite. Voilà, je prends des dégâts à chaque fois qu'ils me tapent, à chaque fois qu'ils avancent parce qu'en fait... Oh, je trouve la technique, c'est bon. En fait, faut dash, c'est tout. Je viens de découvrir. Pas grave. Écoutez, on en a pas entendu. Allez, on y va. On y va, on récupère tout ça, c'est quand même... Enfin, je trouve que c'est pas mal. Maintenant qu'on a la pioche en or, on va pouvoir récupérer du diamant. Et ça, c'est une excellente nouvelle, les amis. Ne faites pas les innocents derrière vos écrans, je sais que vous êtes contents. Alors arrêtez de faire comme si vous vous en foutiez. Enfin, un peu quand même, c'est chiant. Sinon. Alors, hop. Et boum, lui, il meurt, voilà. Alors, on va éviter de péter les œufs, parce que si on pète les œufs, ça part en couille. Ça part vraiment en couille. On y va, on prend... les minerais et c'est parti. On continue sur la même lancée. Ah ok, d'accord. Ah bah j'ai deux de vie, donc c'est chiant. Ça par contre c'est super chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va se fumer le petit jonc qu'on a avancé fait tout à l'heure. Très très bon. Ça me gratte maintenant le nez parce que j'ai respiré trop fort. Je pense que je vais éternuer incessamment sous peu, donc préparez-vous. Ah, je vais mourir hein. J'ai envie d'éternuer. Ah, super. Putain, j'aurais pas dû faire ça. Là, c'est vraiment les... J'ai vraiment les pires idées du monde en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive. Hein. Putain. J'arrive pas à respirer sans avoir envie d'éternuer. Ou j'arrête de respirer. On va faire le... Ah, j'ai pris d'autres dégâts, voilà. Je pense que je vais arrêter de respirer jusqu'à la fin du live. Ah, je me fais taper. Allez. Attendez. On va faire un truc, genre regarder. Hop, ski. Oh, je suis trop fort à ce jeu, en fait. Vous étiez pas prêts pour ça, avouez. Regardez, on a des épées sympas. Ça, c'est marrant à jouer, ça. Allez hop, on fait comme ça avec l'épée, c'est rigolo. Alors, attendez, on va la poule là. Et là en fait on va lui mettre un gros coup d'épée. Ou de blaf. Et voilà. Enfin c'est nul parce qu'en fait ça met 8 ans à taper. Donc ça c'est les grandes armes que vous avez pas vu encore. Parce qu'en fait voilà, il y a deux types d'armes. Oui, il y a celle-là, voilà. Il y a celle-là qui tape genre assez vite. Et il y a celle-là où on est obligé d'attendre un petit peu plus. Mais en général ces armes, eh bien ont genre beaucoup plus de dégâts. Celle-là fait 35, mais normalement un loot normal. Parce que celle-là en fait on peut l'enchanter. Enfin, c'est compliqué à expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en gros on peut mettre en gros une gemme.
excusez-moi, de feu, de foudre ou de glace dessus. Et ça nous permet donc de lancer un sort en même temps qu'on tape avec l'épée. Donc pour les mages c'est très pratique. Ou alors pour jouer un petit peu d'une pierre deux coups. Ça c'est super chiant par contre. On va pousser ici, voilà, on fait un petit trou dans la défense des adversaires. On connaît en attaque hein. On est en attaque. Caca sur la défense, attention hein. Hop, on les a tués. Et en fait c'est très cool. Mais en général un loot normal d'une épée comme ça aussi grande, enfin on en a pour je dirais 95 de dégâts à peu près. Plus 95 minimum. C'est un bon loot, ça c'est pas un mauvais loot. Et le problème c'est que ce que je trouve dommage avec ce jeu, mais vraiment c'est le seul truc que je trouve dommage à force de jouer, je m'en rends compte, c'est que la diversité des loots est quand même assez limitée. Genre vraiment. C'est, ça va surtout dépendre du gameplay que tu vas adopter avec ou sans tes amis, parce que ça dépend si t'en as ou pas, tu vois, parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. J'ai perdu mon épée. Je m'y attendais pas. J'ai pas raté du diamant juste avant. Vous savez que je claque souvent mes sorts, quand même. C'est comme ça qui est fou. Hein. Ok. Alors ce qui est pratique par contre, c'est qu'on peut vraiment anticiper les mouvements de l'adversaire, genre bam. On peut lancer le coup genre largement plus tôt pour toucher plus tard. Et ça c'est cool. Boom, go. Allez, on y va. Enchaîner, on va péter la gueule de... Oh là là, une araignée, attends, je rigole zéro avec les araignées. Hop, on lui pète la gueule, elle est morte. On va récupérer le coffre. Oh mais c'est excellent ce qui vient de se passer. Vous avez vu ce qu'on produit? Il y a une Diamond Blade qui vient d'arriver dans mes sacs, c'est fou ça. Ça c'est fou ça. Alors on va rentrer dans ce niveau. Ça c'est le niveau où on meurt, on décède intégralement. J'ai deux lingots de diamant. J'ai une épée, une lame de diamant. Attends, est-ce que je vais faire spawn un boss? Non, ça va. Faut que j'arrête de faire ça dès que j'arrive dans un niveau parce que à chaque fois je fais spawn des boss et c'est chiant. Il y a rien à acheter. Donc c'est pas grave, on va vendre, on vend ça. Et ce jeu, alors voilà, je viens de voir la question de Xanatos dans le chat, c'est une excellente question mon ami. Ce jeu coûte genre 10€ je pense sur Steam, un truc comme ça. Donc c'est pas cher du tout et vous avez moyen de vous amuser un petit moment quand même avec. Enfin moi personnellement, j'ai déjà pas mal d'heures de jeu dessus. Et je m'amuse toujours bien, enfin sinon je le ferais pas en stream. Voilà, et je trouve que c'est un jeu sympa à stream, voilà, c'est bonne ambiance. En plus ça me permet un petit peu de discuter avec vous, même si je discute pas trop avec vous. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. À chaque fois c'est un petit peu ça le problème au début. Mais bon, j'espère au moins que ça vous plaît. Et c'est quand même l'intérêt du truc, c'est quand même l'intérêt de la démarche. Hormis le fait que je fasse plein de conneries et que je me rende compte que je suis débile, c'est quand même l'intérêt du truc, c'est quand même qu'on s'amuse. Alors, on n'a pas beaucoup d'or je trouve. On a vraiment pas beaucoup d'or. Je sais pas à quoi c'est dû, parce que j'ai l'impression d'avoir ramassé plein d'or mais que j'en ai pas. C'est très chelou. Très chelou. On va... Chut, je réfléchis. Donc là on a 11 lingots maintenant, qu'est-ce que je fais des lingots? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que c'est chiant? Non c'est chiant. Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire une épée en diamant ou on se fait une pioche en diamant? C'est bon. On va se faire une épée en diamant parce que ça se trouve on va loot... Regardez, ça va être dingue ça. Non parce que non, faut pas faire une épée en diamant. Parce que je vais loot mieux après. C'est sûr et certain je vais loot mieux. Donc, je vais pas me faire une épée en diamant, ça pue la merde. On va se faire une pioche en diamant. Je sens que je vais regretter mon choix. Mais je sens que je vais le regretter. On va se faire une pioche en diamant. Voilà. Adjugé vendu, on part là-dessus. On va se faire maintenant une épée donc en fer. Au lieu de partir sur une épée en diamant. Voilà. On va se faire le bouclier, vous inquiétez pas. Je le vois dans le chat, vous inquiétez pas. On va se faire le bouclier. C'est pas un problème. On va vendre ces épées de merde. Hein. Les Islanders, c'est. Enfin, les. Zweilanders, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Enfin c'est pas fou. Enfin c'est pas fou si on est pas mage et si on n'utilise pas les sorts. Là c'est pas dingue. Donc on va aller scraft le bouclier pour être un petit peu plus tanky. Et là on va passer en mode garde de la cour, garde du roi. Garde du roi hein, les amis. Et voilà, nous sommes prêts maintenant à la bataille. Nous allons offrir une petite potion des familles comme ça qu'on va se mettre dans les sacs. On va ramasser ça, on va se le mettre là. On va aussi manger, c'est important. On va aussi chier sur le vendeur encore une fois. Hein, parce que voilà, les vendeurs sont chiants. Donc on va leur chier dessus. Ça c'est bien, on met ça là, ça on met ça là, ça on prend, ça on met là, et les lingots, ça part là, on peut plus rien faire donc on va arrêter. Mais je suis débile! Ah non, je suis pas débile, j'allais dire je peux faire une épée aussi, mais on va pas faire l'épée, on va garder les lingots pour faire du stuff, mais genre du stuff en dur parce que dans tous les cas, je suis sûr et certain que je vais loot une meilleure arme que celle que j'ai dans les mains. Donc c'est parti, pourquoi tu vends pas les trucs d'araignée? C'est vendu. Alors là par contre c'est chiant parce que là les mobs font énormément de dégâts. Voilà, et c'est difficile à dodge. Alors là par contre ces mobs là en feu, ils sont infâmes. Mais genre je vais devoir les dodge de ouf. Et c'est là où ça va être dur comme niveau. J'ai eu une épée mais là c'est de la merde pour l'instant. Donc on enchaîne, on va ramasser que le diamant. On n'est plus intéressé par le reste.
On va rusher que le diamant et les coffres, parce que là ça va être notre intérêt. Ok, donc ça c'est pas mal par contre qu'on a là. Là on a un truc pas mal. On a un bouclier qui est mieux que celui qu'on a de base. On a eu un lingot encore. Et on a eu... c'est tout. Iron Blade, on s'en fout. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Voilà, on va dégager un petit peu ce qui nous gêne. Et on enchaîne hein, tout de suite. Hop, d'accord. Allez, 4 de dégâts, c'est gratuit, je regarde pas où je vais. Hop, voilà, on dodge. Hein. On dodge bien sûr. Pas peur. Alors, faudrait peut-être se faire les mobs en bas. Pour être pratique. Ok. Et c'est tout en fait, hein, parce que sinon je vais jamais les tuer là, les deux petits en bas, ils sont trop durs à tuer. Oula, oula, oula. Et oh, waouh, 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 waouh. Et voilà, attends, qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Moi je vous tue tous avec ma petite lame. Hein. Et voilà. Alors, par contre, je viens de découvrir un truc, c'est qu'en fait j'ai menti. Je vous ai menti, oui, je mens des fois, ça m'arrive. Les haches, donc je vous avais dit que la hache elle disparaît si. C'est casse-couille ces trucs. C'est super chiant quand même. Enfin, je pense que je savais que c'était le but à la base de, du truc. Mais c'est relou. Alors on va se prendre... ouah, moins 2 HP plus 8 dextérité. Oh, ça pue la merde. Ça pue la merde, j'ai déjà un bouclier cool. Ça, ça pue la merde, ça, ça pue la merde, ça, ça pue la merde. Nul, nul, zéro, nul, nul, nul. Ok, alors par contre, là je me dis que j'aurais peut-être dû ramasser l'or. Donc on va se mettre à ramasser l'or parce que sinon on va jamais y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Hop. On va essayer de se faire ça de manière relativement cool. Ah oui, lui c'est vrai qu'il repart. Oh bah, Kelly, putain! Arrête d'être nul, c'est chiant! Y'a des viewers qui te regardent! Alors arrête d'être ridicule! Merci, cordialement la rédaction. Ah mais c'est trop bien ça! Hop là, un petit dégât. Hop, 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 hop. Et voilà. Alors là par contre ce qui est chiant, c'est que... ok, ça pue la merde! Et je m'en vais parce qu'en fait j'ai vraiment raté ce que je voulais faire. C'est dingue ce qu'on produit. Oh non! Oh! Ah! Ah, pardon. Non, 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 non. Ok. Oula, oula, et bon, alors, 7 de dégâts. Mais c'est quoi cet abus? Ah, un dégât, t'es sérieux? Oh mon dieu. Ah, mais non, il m'a mis 7 et il m'a tué. Il m'a mis 7 et il m'a tué. Il m'a mis 7 et il m'a tué. Il m'a mis 7, on ramasse les coffres. Hors clope, on ramasse la petite race. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait.